I
Something about me, the blood in my veins is full of northern grit. I got that northern soul, man, I got the vet. We're far from ordinary people. And if you wanna know something about us, the hearts in our chests are full of northern love. And even when we're broke, we'll always have enough. We're far from ordinary people. Yo. We're far from ordinary. Alright, how can I say this? I'm a place where no one expects us to make it. There was the Stone Roses and Oasis, but when they were big, we were still babies. I'm talking to the new generation, and we wasn't born in the 80s. They say that we don't see many places, cause nobody's left there for ages. Serious love for the people that raised us, even though it got crazy. Poverty stricken, but that never fazed us. Not one of us lazy. And I'll be the first to say money don't change us. Well, it didn't change me. I'll never forget where I came from. That's cause it's the struggle that saved me. On the streets we got brought up, and we'd play on the grass, cause we're trying to be pro footballers. They say there's no kings out here, nobody's got money, every one of us paupers. I beg to differ, cause I see the bigger picture. Every one of us kings, we could live on the street and make it a castle. What they call us, we can keep throwing our orders. In fact, bring cameras and record us. We've been fighting for survival, and you're gonna learn what war does. Why did he call it an army? That's cause he's filled with soldiers. A war going on outside in his life. If you wanna know something about me, the blood in my veins is full of northern grit. I got that northern soul, man, I got the bit. We're far from ordinary people. If you wanna know something about us, the hearts in our chests are full of northern love. And even when we're broke, we'll always have enough. We're far from ordinary people. Okay, what do they expect? They expect us to fail this test. They think we're broken, we're not blessed. Like we're gonna watch
to our parents' stress. No chance. And more time, our parents are broken up anyway. There's no romance. And the car's been sold. And that's cause there's no keeping up with their finance. What did he want us to do? Skip down the road to the job center and just hold hands? It's not easy out here. Depression's a killer, especially when you've got no plans. So much pain on a daily basis. Would you not grab the with both hands? It's a shame the strong enough to wipe out the whole gang. If I'm being brutally honest, I don't condone it, but I understand the stealing and the violence. Yeah, my room when you hear the sirens. No comment, leave the room in silence. That's the same boy whose mum got treated bad in the job center on Friday. Dad don't care, so he lacks the guidance. It's a shame that the streets are evil, but that's just where we grown up. Not everything was legal, but that's where we learned to be tough. Most people grind to a halt like a car with no petrol or no diesel, but we keep it moving around here. If you wanna know something about me, the blood in my veins is full of northern grit. I got that northern soul, man, I got the bit. We're far from ordinary people. If you wanna know something about us, the hearts in our chest are full of northern love. Even when we grow, we'll always have enough. We're far from ordinary people. Falling again, we look up to greet the heavens. Who cares if we had harsh beginnings? We look onwards. If you wanna know something about me, the blood in my veins is full of northern grit. I got that northern soul, man, I got the vein. We're far from ordinary people. If you wanna know something about us, the hearts in our chest are full of northern love. And even when we're broke, we'll always have enough. We're far from ordinary people. We're far from ordinary. Far from ordinary. Ces deux équipes qui vont donc disputer la première compétition de la saison. La Coupe européenne internationale qui permet aux équipes d'affiner leur préparation. Puis rien vaut une vraie compétition pour savoir où on se situe. À l'occasion de cette rencontre, nous allons suivre le Stade Rennais face à Southampton. Alors que vous découvrez la composition du Stade Rennais, on voit une équipe qui va évoluer en 4-4-2. Avec un attaquant légèrement en retrait, c'est la différence par rapport à un 4-4-2, disons, plus classique. On découvre un instant la composition de cette équipe de Southampton. Alors on découvre l'organisation mise en place par l'entraîneur aujourd'hui. Va faire jouer son équipe en 5-2-3, un schéma très défensif. Benjamin Bourigeaud. Amari Traoré. Ah, c'était dangereux, mais la défense s'est dégagée au grand soulagement du gardien. Et c'est sorti en corner pour le Stade Rennais. L'occasion de prendre l'avantage. Benjamin Bourigeaud. Ouais, la frappe de loin, intervention vraiment facile. La frappe était trop lointaine pour inquiéter le gardien. Cette Coupe européenne internationale qui est le dernier acte de cette phase de préparation. Ouais, c'est bien parce que ça permet aux joueurs de vivre ensemble une compétition avec moins de pression. Et pour le reste de la saison, ça reste quand même une compétition. Matt Target. Ouais, la faute, mais ça joue, dit l'arbitre. Et puis il peut toujours revenir à la faute si ça donne rien. La passe aérienne, pas mal. Oh, il a un boulevard, attention. Ah, c'est pour personne. Athènes Ménarfa. Ouais, il a tout le couloir devant lui. Le centre à destination de ses partenaires. Oh, que c'est mal joué, mais que c'est mal joué. Ah, il a cherché la complication et ça passe vraiment loin en plus, hein. Magnang. Ouais, la bonne interception et le danger qui va donc s'éloigner. Pierre-Emile Richberg.
Matt Target. Non, elle est interceptée cette passe. Ah, il bascule sur l'aile histoire de tirer un petit peu le bloc défensif qui est très con. Ouais, la frappe. Ouais, le gardien qui se saisit facilement du ballon. Ça manquait un peu de conviction hein, pour espérer marquer là-dessus. Ouais, c'était un peu timide. Il n'a pas eu grand-chose à faire finalement. Benjamin Bourigeaud. Clément Grenier. Benjamin André. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Et la touche pour les joueurs aînés. Benjamin André. Atem Benarfa. Clément Grenier. Traoré. Ils ont décidé de poser le jeu, d'attendre le bon moment pour tenter une percée. Faute sanctionnée, c'est un coup franc. Allez, à lui de s'appliquer, il faut mettre l'adversaire en danger. Allez, le coup franc dans la boîte. Et on a dégagé pour écarter le danger. Allez, un centre. Allez, il y a du monde au second poteau. Ce centre qui ne donne rien finalement. Ah, ça se bouscule un petit peu dans la surface avant ce corner. Un corner bien tiré au niveau du point de pénalty. Il a mis la tête pour sortir ce ballon en touche. Ça n'attaque pas beaucoup le porteur du ballon en ce moment. Ça reste très bas. Oh, il n'a personne pour le gêner dans le couloir. Clément Grenier. Benjamin. Le tir. Un magnifique plongeon hein, sur ce ballon qui était difficile à négocier. Ce sera un corner pour le Stade Rennais. Metcher avec un tir. Ce sera une sortie de but. Matt Target. Profondeur, oui, bien vu. Allez, dans la boîte, il y a du monde. Et le ballon rendu carrément à l'adversaire. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. Il a un petit peu d'espace, il peut centrer. Et ce centre qui n'est pas parti bien loin, contré. Niang. Josh Sims, Armstrong, Pierre-Emile Hojbjerg. Et il a du soutien autour de lui, c'est bien. Barnes. Ouais, bon timing défensif hein, sur ce tacle. Amari Traoré. Niang. Le ballon dévié en touche. Clément Grenier, Benjamin Bourigeaud. Ah ouais, ça c'est bien sur l'aile. Oui, il a des bonnes possibilités là en attaque. Benjamin André. La frappe. Et c'est renvoyé par le poteau. Ils ont bien failli prendre l'avantage cette fois. C'est le cadre qui nous en empêche, mais ça pourrait finir par rentrer. Benjamin André. Magnang. Allez, va pouvoir jouer vers l'avant. Il n'y a personne. Oh, il a du soutien. Ça peut être dangereux. Il prend sa chance. Ah, ça passe assez loin, finalement. Il y avait de l'idée, hein. Mais le problème, c'est que c'est super mal réalisé. Ouais, ils sont gentils. Là, ils nous remontrent les images. Ils utilisent la technologie, mais on n'a jamais eu l'impression que le ballon avait franchi la ligne, même à vitesse normale. C'est pas plus mal, hein. Comme ça, il n'y a pas de contestation possible. Edmond. Ouais, elle a du potentiel cette attaque. Ça peut très bien faire un but. Allez, il y a du monde pour reprendre. Et la bonne anticipation sur ce centre. Oh, l'interception. Il a tout anticipé.
L'arbitre a décompté 3 minutes de temps additionnel. Bon, le tacle dans la surface était osé, mais il a eu raison, ça a payé. On en veut un peu à l'arbitre de ne pas avoir accordé le pénalty. Attention à la frappe. Et ça y est, l'ouverture du score par cette équipe qui vraiment avait pris l'avantage depuis le début de la rencontre. Ah oui, c'est la plus entreprenante des deux. Elle cherche, elle tente et maintenant la voilà récompensée. Le Stade Rennais qui est bien de ce match. Les Rogénois mènent. Ex-Defense. Et voilà, déjà 45 minutes de jouer dans ce. Le coup d'envoi de la seconde période qui vient d'être donné. Et rappelons qu'il s'agit du premier match de groupe de la Coupe européenne internationale. On renverse le jeu. Matt Target. Ils font tourner en attendant une brèche dans cette défense. Clément Grenier. À Marie Traoré, Benjamin Bourigeaud, et ce ballon qui est perdu. Redmond, un petit mot sur la prestation d'Atem Ben Arfa après 45 minutes de jeu. Il a donné l'avantage à son équipe juste avant la pause, ça va le mettre en confiance pour la seconde période. Clément Grenier, c'est dans le paquet. On a dégagé pour écarter le danger. Allez, c'est peut-être une bonne touche pour les Rennais s'ils allongent. Benjamin Bourigeaud. Ouais, il a du soutien. Clément Grenier. Benjamin André. Attention, ça peut faire but. Ouais, c'est bien arraché, mais il y a toujours le feu dans la défense. Becher. Benjamin Bourigeaud. Benjamin André. Ouais, bien taclé, le ballon qui n'est pour personne. Il a préféré dégager ce ballon. Pierre-Emile Hojberg. Clément Grenier. Atem Ben Arfa dans la profondeur, magnifique. Fausse alerte finalement. Ouais, pas de prise de risque, ballon dégagé. On arrive dans la dernière demi-heure de cette partie. Armstrong, Pierre-Emile Hojberg, Redmond. Un petit peu d'espace pour centrer. Allez, on écarte loin devant. Encore une bonne passe. Ouais, on passe par les côtés. Benjamin André. Et la voilà la frappe. Atem Ben Arfa. Ben Yang. Clément Grenier, le tir. Oh, pas du tout cadré. Non, et honnêtement, vu comment il s'y est pris, ça risquait pas. Hein. Avec ce changement. Tactique, l'entraîneur qui espère redynamiser son groupe. L'entraîneur qui décide de le faire sortir. Je trouve qu'il a été bon dans ce match. Disponible pour ses coéquipiers. Il a contribué au bon match que son équipe est en train de réaliser.
Armstrong, James Ward-Prowse. Le centre, il a vu ses coéquipiers. Ah, il enchaîne les bonnes passes. Un joueur a terminé son échauffement, il est prêt à faire son entrée. Prochain arrêt de jeu, je pense. Oui, il y avait un espace, il l'a vu. Et cela ne donnera rien du tout. Ils sont pas contents, les supporters. Ils disent... Allez, il peut égaliser là. Pas de souci pour le gardien. Allez, il faut centrer, c'est le moment. Allez, tête pince. Il prend la frappe. Corner à suivre. Il va peut-être y avoir danger. Un corner qui va arriver en plein milieu de la surface. Voilà, c'était dangereux. Mais la défense s'est dégagée au grand soulagement du gardien. Pierre-Emile Richberg. Redmond. Avec un tir. Oh là là, c'est pas passé loin. Non, c'était pas mal joué. Il faut tout de suite oublier cette occasion pour repartir immédiatement à l'attaque. Et le score qui ne bouge pas alors que la fin du match approche. On sent que la moindre accélération pourrait être fatale. Ouais, lumineux cette passe. Et l'action qui s'arrête déjà. La touche. Plus que 9 minutes à jouer dans cette rencontre. Mario Lemina. Ex Defense. Maya Yoshida. Pierre-Emile Richberg. On est dans une phase de conservation de balle en attendant l'ouverture. C'est Mathieu. Oh, c'est bien joué. Heureusement qu'il était là. Il a préféré dégager ce ballon. Ouais, non, pas très bien ce dégagement. C'est Mathieu. Ah, il perd ce ballon. James Ward-Prowse. Voilà, ça c'est vraiment ce qu'on appelle un ballon offert. Ouais, très beau geste défensif, il a évité la catastrophe. Deux minutes de temps additionnel viennent d'être annoncés. Personne dans le couloir pour gêner cette action. Jean-André, Clément Grenier. Oh, une belle frappe qui manque de peu le cadre. Oui, c'était osé, mais ça a failli payer. Voilà, c'est terminé à l'instant.
suite de la Coupe européenne internationale avec ce deuxième match de poule. On va voir qui arrive à prendre le dessus sur son adversaire. N'oublions pas qu'on est quand même en pleine phase de préparation. Cette rencontre qui va nous permettre de suivre l'Espagnol Barcelone face au Stade Rennais. Alors que vous voyez apparaître la... Allez, l'occasion de passer devant. Le ballon est sorti, ce sera un corner donc. Un corner adressé au niveau du point de pénalty. Et la voilà la frappe. On voit bien qu'ils ne se précipitent pas sur le but adverse, qu'ils prennent leur temps. Attention à la frappe. Oh, pas du tout cadré. Non, et honnêtement, vu comment il s'y est pris, ça risquait pas. Hein. Ah ouais, ça c'est bien. Sur l'aile, Facundo Ferreira. Oh, il n'est pas seul, il y a du soutien. Ouais, la frappe. On a vu que le ballon avait été touché par les défenseurs avant de sortir. C'est donc un corner. En deux temps, peut-être ce corner. La défense qui est à la tombée du ballon, mais le danger reste imminent. Athènes met la fin. L'adversaire qui s'empare de ce ballon. Niang. Amari Traoré. Benjamin André. Il y a de la place dans le couloir. Benjamin. Allez, l'occasion peut-être de mener. Ah, ça se bouscule un petit peu dans la surface avant ce corner. Un corner bien tiré. Mecher. Il a créé le danger sur ce corner. Trop de précipitation. Oulay. Clément Grenier, Benjamin André. Oh, c'était important de faire ce tacle. Javi Lopez, Marc Roca. La passe qui trouve un joueur de l'équipe adverse. Oulay. Ah, le contrôle est bon. Facundo Ferreira. Allez, qui va reprendre ce ballon. Attention, peut-être l'occasion de placer un contre. Elle a remonté du terrain qui se poursuit. Et ils vont jouer la touche. Marc Roca. La Coupe de Ferreira. Ouais, la passe est interceptée, le ballon est perdu. Oulay. Marc Roca. Ah, une passe qui trouvera le gardien adverse. Daniel Da Silva. Mecher. Clément Grenier. Et le tacle et ça sort en touche. Benjamin André. Ah, il y a beaucoup d'espace devant. Allez, il faut le mettre celui-là. Oh, qu'est-ce qu'il a fait ? Oh, incroyable ! Petit manque de sang-froid, on va dire. C'est pas dramatique, mais ça aurait été bien de prendre l'avantage sur cette occasion. David Lopez. Javi Lopez.
Ok, ok. Là, il est à la récupération au milieu de terrain. Ben Sebaini. Benjamin André. Allez, peut-être une bonne occasion. Ils construisent patiemment, ils attendent l'ouverture. Benjamin André. Ouais, ils ont réussi à s'en sortir, mais ils ont eu un petit coup de chaud là. La coupe de Pereira. Le Stade Rennais qui ne marque pas de but, mais il n'en encaisse pas non plus dans cette première mi-temps. Ça a été dévié, touche. Ben Sebaini. Ouais, bon tac, il lui a pris le ballon. Javi Lopez. Oulay. Marc Roca. Facundo Ferreira. Ouais, il perd ce ballon. Magnang. Marc Roca. Allez, il n'y a personne, il peut prendre l'espace. Ouais, c'est bien centré parce qu'il y a du monde. Ouais, c'est bien pris par le gardien. L'arbitre a décompté des minutes de temps additionnel. Marc Roca. La coupe de Ferreira. Oulay. Et la voilà la frappe. Ouais, le but, l'ouverture du score dans ce match. À la joie du buteur, regarde-moi ça. Les supporters sont plutôt contents, eux aussi. Et voilà, déjà. C'est parti pour 45 nouvelles minutes dans ce deuxième match de groupe de la Coupe Européenne Internationale. Et on l'espère, 45 minutes de précieux enseignements pour tout le monde. Benjamin André, le long de la ligne de touche. Allez, il peut l'égaliser là. Oh, il a sauvé son camp sur cette action. Ouais, il s'est senti en danger, menacé par le pressing de l'équipe adverse. Il a été obligé de dégager un petit peu n'importe comment. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Bon, Pierre, je ne sais pas ce que tu en penses, mais il a été plutôt bon quand même au cours de ces 45 premières minutes. Hein. Il a donné l'avantage à son équipe juste avant la pause, ça va le mettre en confiance. Hors jeu, il voulait trop marquer et du coup il est parti trop tôt, il s'est précipité. Da Silva. Et le ballon rendu carrément à l'adversaire. Il faudra revoir ce tacle, mais bon, ça joue. Ça pouvait siffler, on va voir si ça profite maintenant. Oh, c'est l'interception. Il prend sa chance. Ouais, le ballon est touché par le défenseur avant de sortir. Ce sera donc un corner. Et finalement, l'arbitre a décidé de lui mettre le jaune. Bien réfléchi quand même. Il combine avec un... Oh, la transversale! Attention, c'est pas fini, ça continue. Un dégagement sans fioriture, un long ballon en touche. Ouais, toujours aussi précis dans ses passes. On va avoir du changement dans ce match. Ouais, remplacement imminent au prochain arrêt de jeu, je pense. Marc Roca. Facundo Ferreira. Amari Traoré. La passe est interceptée. Il va pouvoir centrer. Mais ça n'ira pas plus loin. C'est repoussé. Oui, il y avait un espace, il l'a vu. Benjamin Bourigeaud. Ah oui, la bonne passe. Ah, la bonne occasion pour Ben Arfa peut-être.
Le Stade Rennais qui obtient donc le corner. Le corner, le ballon qui arrive au point de pénalty. Ouais, bien donné ce ballon, mais le danger est écarté. Benjamin Bourigeau. Oh, l'égalisation! L'égalisation, Pierre! Ouais, ouais, les joueurs ont su créer le danger et profiter d'un petit peu de suffisance peut-être dans le camp d'en face. C'est un joueur rennais qui va être remplacé, Pierre. Ah, l'entraîneur qui préfère revoir ses plans pour la suite du match. Allez, tout est à refaire, un but partout. Ouais, c'est bien donné une fois de plus. Interception. Et bien l'intervention, changement de possession. Ah, il va centrer. L'occasion pour prendre les devants. Et ça fait but. Ah bah, il vient à peine d'entrer en jeu. Et sur un de ses premiers ballons, il marque. Bravo. Ah, ça fait deux buts consécutifs. Hein, la défense qui est en train d'exploser. Le Stade Rennais qui mène au tableau d'affichage. Piatti, Marc Roca. Facundo Ferreira. Ah, la passe est interceptée, ballon est perdu. Alors que nous entrons maintenant dans les 20 dernières minutes de cette partie. Le changement qui a été demandé. Oui, le remplaçant qui n'attend que le prochain arrêt de jeu pour pouvoir rentrer. Il la joue un petit peu comme au hand, hein. On fait tourner en attendant l'ouverture et de prendre la frappe. Mario Hermoso, Diego Lopez. Marc Roca. Oulay. Javi Lopez. Non, non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire hein, qui récupère. Benjamin Bourigeau. Il est en position pour centrer. Ça n'ira pas plus loin. Supporters qu'ils savent, si leur équipe doit égaliser, c'est maintenant. Un but d'avance pour Rennes. Et les Bretons qui sont bien hein, dans leur match. Alors qu'on entre dans les 10 dernières minutes de cette rencontre. Oh, c'est l'interception. La voie est libre. La Coupe de Ferreira. Non, c'est joué trop fort ce ballon, ce sera sans danger pour le gardien. Ah, il ne faut pas craquer dans ces 5 dernières minutes, il n'y a qu'un but d'écart. On a assisté à un changement, puis à des côtés de l'Espagnol Barcelone. Entraîneur qui bien sûr espère avoir fait le bon choix. Il résiste bien, hein, bien campé pour protéger son ballon. Oulay. On va avoir du changement dans ce match. Ouais, remplacement imminent au prochain arrêt de jeu, je pense. Et on le voit avec ce changement, la mission, elle va être de tenir le résultat. Le corner en direction du point de pénalty, c'est repoussé par le gardien. Ah, il est bien sorti là pour intercepter ce ballon. On s'approche du but. Le centre vers ses coéquipiers. Ouais, non, c'est pas personne. Benjamin Bourigeau.
deux minutes de plus au minimum, c'est ce qu'indique le quatrième arbitre. Ah, c'est bien dégagé le vent, il va pouvoir s'enfoncer. Bon, oh, superbe, il évite parfaitement ce tacle. Man Yang. Terminé, et une victoire donc pour les joueurs du Stade Rennais. Thank you.
stirred in us. We're all in need of love. Dreams get tall, but we stand up, making a change that is calling us. But we laugh, we cry the same. We bleed, we all feel pain. When the day is done, time don't wait. We all leave this life the same. Beautiful world, beautiful people, boys and girls. Heaven knows we've all been there. Our mistakes may not disappear, but we all gotta mend what's here. Beautiful world, beautiful people, boys and girls, we're all made equal. Sure you've heard this all before, sure you look familiar. Sure the cost of living keep on rising with no limits. Name the name of politician, give up about your feelings. Name a single trend that didn't end up like a gimmick. Think there's something in the water. Tell me what the mission is. I see the child's co-work in Michigan. Tire match my melanin. Black or black is militant. Represents my diligence. I see through that privilege. Something's in the water. The mission is just another citizen that sacrificed my discipline. Still don't know my. Troisième et dernier match de la phase de poule. On avance dans cette Coupe européenne internationale. À l'occasion de cette rencontre, nous allons suivre le Stade Rennais face à Watford. Alors que vous découvrez la composition du Stade Rennais, on voit une équipe qui va évoluer en 4-4-2. Avec un attaquant légèrement en retrait, c'est la différence par rapport à un 4-4-2, disons, plus classique. On découvre ensemble la composition de l'équipe. Schéma classique pour cette équipe, un 4-4-2. C'est de plus en plus rare que les équipes débutent en 4-4-2, mais au fil du match, on revient souvent à un système. Ouais, long ballon pour renverser le jeu. L'équipe qui dévoile son nouvel attaquant aujourd'hui. Son premier match depuis son arrêt. Ah oui, la bonne passe. Ouais, bien donné ce ballon, mais le danger est écarté. Ouais, peut-être un changement de possession après ce tacle. Capou. Il prend sa chance. Mais c'est renvoyé par le poteau.
Alors ça c'est n'importe quoi cette passe, complètement à l'adversaire direct. Et il pouvait mettre une option sur la victoire, mais le cadre a décidé autrement. Donc pas sûr que ça continue longtemps comme ça, attention. Hein. Abdelhaye Doucouré. Capou. Ah, c'est son anniversaire aujourd'hui. Et ce sera une touche. Abdelhaye Doucouré. Capou. Gray. Ah, bonne défense des Rennais qui ont récupéré ce ballon. Benjamin André. Traoré. Ah, Marie Traoré. Interception. Et le ballon dans les pieds des Rennais. Ah ouais, ça c'est bien sur l'aile. L'arbitre qui réfléchit, est-ce qu'il va sortir le carton? Ouais, c'est le jaune. Chouïa sévère ce carton. Hein. Et même s'il n'est pas super bien placé ce coup franc, faut qu'il arrive à mettre ce ballon dans la surface. Allez, long ballon. Et on l'a dégagé pour écarter le danger. Et finalement, ce ballon va peut-être revenir très vite. Damien La Silva. Clément Grenier, Benjamin Bourigeaud. Ils ont décidé de poser le jeu, d'attendre le bon moment pour tenter une percée. Clément Grenier. Ouais, le ballon qui continue après ce tacle, qui va le prendre. Capou. Ce ballon qui est intercepté. Clément Grenier. On écarte le jeu. Ouais, bon timing défensif hein, sur ce tacle. Abdelhaye Doucouré. Kiko Femenia. Abdelhaye Doucouré. Ouais, on passe par les côtés. Ouais, c'est bien centré parce qu'il y a du monde. Un danger qui s'éloigne, c'était pourtant bien donné. L'arbitre qui indique le poteau de corner. Ouais, bien tiré le corner de Capou. Bon, sans grand danger finalement. Ouais, la frappe. Ouais, bien tiré le corner de Cabasselé. Ah, il y a beaucoup d'espace devant. Et ça sort en touche. Benjamin Bourigeaud. Le Stade Rennais qui ne marque pas de but, mais il n'en manquait pas non plus dans cette première mi-temps. Benjamin Bourigeaud. Ouais, il a du soutien. Clément Grenier. Benjamin avec un tir. Il vient buter sur le gardien qui était bien resté vigilant. Gray. Non, non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire hein, qui récupère. Ouais, lumineux cette passe. Benjamin Bourigeaud. En retrait, dans l'axe, c'est dangereux.
Et la touche pour les joueurs aînés. Clément Grenier. Et oui, il doit être plus malin, plus patient avant de faire son appel. Capou. Ah, il enchaîne les bonnes passes. Le centre, il a vu ses coéquipiers. Et la mi-temps qui intervient. Allez, ça repart à l'instant dans ce match. À noter qu'il s'agit du dernier match de la phase de groupe de la Coupe européenne internationale. Ah, c'est une perte de balle. Voilà, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il a donné ce ballon directement à l'adversaire. Allez, dans le couloir. Il la joue un petit peu comme au hand, hein. On fait tourner en attendant l'ouverture et de prendre la frappe. Le gardien qui écarte le danger des points. Abdelhak Doucouré. Oui, il y avait un espace, il l'a vu. Là, il tend Charbonnier. Ouais, c'est le gardien qui a le dernier mot finalement. Ouais, un mauvais choix de l'attaquant en plus là. Qu'est-ce que vous avez pensé de la première période de ce joueur, Pierre? Moi je trouve qu'il a été transparent, hein. Pas de but, peu d'occasion. On attend quand même autre chose en longue période, il va peut-être falloir qu'il se fasse un peu de violence. Troy Dini, Abdelhak Doucouré. Attention à la frappe. Esports vous propose un match de Ligue 1 Conforama avec cette rencontre. Le Stade Rennais affrontera Lille à l'extérieur. C'est ok Hervé, on va suivre tout ça avec plaisir. Abdelhak Doucouré. Oh oui, encore une bonne passe. Etienne Capou. Le tir. Le gardien qui se saisit du ballon. Il faut dire que le tir était vraiment sur lui. Allez, l'occasion peut-être de mener. Allez, un corner, ça dirait en tête peut-être. Un corner qui va arriver en... Oh, que c'est mal joué, mais que c'est mal joué. Ah, il a cherché la complication et ça passe vraiment loin en plus. Hein. On arrive dans la dernière demi-heure de cette partie. Tom Cleverley. Et la rumeur dit que Marcus Rashford serait en... Ah oui, c'est très net, coup franc. Benjamin Bourigeau. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Même si c'est Baini. Becher. Da Silva. Traoré. Benjamin André. Guéret. Tom Cleverley. Oh, ça peut tout changer s'il marque. Arbitre ouais, qui signale un hors-jeu. On va procéder à un changement du côté de Watford. Ah, l'entraîneur qui préfère revoir ses plans pour la suite du match. Allez, le centre à venir. Benjamin André, il prend sa chance. Ce sera un 6 mètres. Benjamin Bourigeau. Ouais,
lumineuse cette passe. André, la frappe. Ah, ça passe assez loin finalement. Il y avait de l'idée, hein, mais le problème c'est que c'est super mal réalisé. Abdoulaye Doucouré, Pereira. On fait tourner en essayant de faire sortir un petit peu l'adversaire pour placer une flèche. Et ce centre qui est capté par le gardien. Le dernier quart d'heure du temps réglementaire. Allez, il y a de la place dans le couloir. Bonjour André. Clément Grenier. La défense qui récupère. Tom Cleverley. Abdoulaye Doucouré. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. Les supporters qui sentent, hein, qu'ils ont un rôle à jouer dans cette fin de match. Ouais, ouais, tout reste encore possible jusqu'au bout et pour les deux équipes. Il est en position pour centrer. Eh ouais, le gardien qui sort, ça fait du bien à sa défense. Pereira. Christian Cabasele. Abdoulaye Doucouré. Allez, peut-être une bonne occasion. Troy Guini. Le ballon dans les pieds des Rennais. Il reste 5 minutes pour essayer de faire la différence. Ah, la bonne inspiration sur cette passe. Dans l'axe, attention. Ouais, bien présent le gardien sur cette action, mais ce n'est pas fini. Pereira, Abdoulaye Doucouré. Give a round of applause for today's man of the match, number four, Mexa. Allez, ça part devant le match qui est peut-être en train de se jouer. Gray. Attention. Alors peut-être la balle de match sur ce corner. Ah, bien frappé ce corner au niveau du point de pénalty. Le gardien qui préfère écarter du point sur ce corner. Il choisit la frappe. Et ce ballon qui se rend en corner. Il a cherché le point de pénalty sur ce corner. Le dégagement pour éloigner le danger. Allez, il y a du monde pour reprendre. Le gardien qui se frise hein, sur cette tête. Hein. Ah, t'aimes ça les bouclettes, hein? Ouais. Le coup de...
pouvoir trouver deux des quatre meilleures équipes de cette Coupe européenne internationale. Oui, avec des places en finale en jeu, donc match très important. À l'occasion de cette rencontre, nous allons suivre le Stade Rennais face à Galatasaray. Alors que vous découvrez la composition du Stade Rennais, on voit une équipe qui va évoluer. L'arbitre qui doit intervenir. Il y a un bon coup à jouer sur ce coup franc. En jouant dans la surface, ce sera un bon début. Le ballon dans la surface. Clément Grenier. Attention, il peut centrer là. Et la touche pour les joueurs rennais. Mathem Benarfa. Benjamin Andre. Il prend sa chance. Le défenseur qui contre ce ballon. Et corner pour le Stade Rennais. Un corner à qui Mecher. Une tête qui finit dans les bras du gardien. Et Nikourou. C'est le grand jour pour ce défenseur central. Et il dispute son premier match depuis son transfert. Espérons pour lui qu'il trouve rapidement le bon tempo. Traoré. Benjamin Bourigeau. Ouais, la passe est interceptée, le ballon est perdu. Hors jeu indique l'arbitre. À mon avis, de très peu. Hein. Traoré. Cette demi-finale de Coupe européenne internationale, qui est le premier match à élimination directe de la saison pour cette équipe. Ouais, bon, l'enjeu n'est pas colossal, ne l'oublions pas, mais bon, dans l'esprit des supporters, de l'entraîneur et des dirigeants, ça reste une compète avec un titre au bout. Mariano, Adungay. Nagatomo. Henry Onyekuru. Oh, la mauvaise passe, il ne l'a pas regardé où il la mettait. Traoré, Benjamin Bourigeau. Ils attendent une ouverture dans la défense. Et la voilà la frappe. Le gardien qui éloigne le danger, mais ça joue. Ouais, pas de prise de risque, ballon dégagé. Mathem Benarfa. Ouais, bonne sortie du gardien. Ouais, fallait y aller sur ce ballon. Hein. Nagatomo. Smith. Ouais, le ballon qui continue après ce tacle, qui va le prendre. Henry Onyekuru. Il va pouvoir centrer. Da Silva, Amari Traoré, Clément Grenier, Benjamin André, Memphis Baini. Ah, c'est bien dégagé devant, il va pouvoir s'enfoncer. Ah, le centre était complètement raté, c'est une sortie de but à suivre. Smith. Nagatomo. Henry Onyekuru. Voilà, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il a donné ce ballon directement à l'adversaire. On a décidé de laisser venir l'adversaire, invisiblement. Amari Traoré. Gaëtan Charbonnier. Traoré. Ouais, pour Benarfa. Ah non, ce centre qui n'aboutit pas. Ballon capté par le gardien. Mariano. Il n'a pas beaucoup d'espace. Hein. Il n'a pas ce qu'il trouve un joueur de l'équipe adverse. Ivan Ordet. Goumouche. Mariano. Le ballon en touche pour Galatasaray. Adungay. Goumouche.
Le centre à destination de ses partenaires. Et on l'a dégagé pour écarter le danger. Traoré. Ouais, ça construit devant le but sans se précipiter. La Lafa avec un tir. Et le gardien qui est sur ce ballon. Smith. Et le ballon dans les pieds des Rennais. Clément Grenier. Ah, il perd le ballon, bon tacle. Nagatomo. Smith. Et Yannick Kourou. Alors ça c'est n'importe quoi cette passe, complètement à l'adversaire direct. Amari Traoré, Benjamin Bourigeaud. Smith, Mitroglou. Ouais, changement de possession, il va falloir se réorganiser. Traoré. La bonne Benafa. Voilà, ça c'est vraiment ce qu'on appelle un ballon offert. Kourou. Ah, il enchaîne les bonnes passes. Ouais, c'est bien donné une fois de plus. Mitroglou. Oumouch. Oui, il a bien lu le jeu. Attention, la frappe. La frappe. Un tir complètement raté qui passe très très loin du cadre. Dungay, Oumouch, Mariano, Ivan Ordet. Cette demi-finale qui tient toutes ses promesses. Les joueurs sont revenus du vestiaire et c'est parti pour la seconde période de cette demi-finale de la Coupe européenne internationale. Oui, pour connaître le nom du finaliste. Mariano. Ah, elle a mis beaucoup d'agressivité hein, dans cette intervention. Clément Grenier. Atem Benarfa. Ivan Ordet. Smith. Ben Sebaini. Clément Grenier. Amari Traoré. Ouais, la frappe. Attention, ils peuvent prendre l'avantage. Et ça donne un petit peu d'air avec ce dégagement. Ben Sebaini. Benjamin André. Benjamin Bourigeaud. Idéalement placé là pour le centre. Ouais, il lui rend première intention. Amari Traoré. Est-ce ce ballon qui traîne? ESports vous propose un match de Ligue 1 Conforama avec cette rencontre. Le Stade Rennais affrontera Lille à l'extérieur. Oui, une rencontre qui a priori me semble équilibrée. L'entraîneur qui va faire un petit peu de coaching en faisant entrer un remplaçant. Alors t'as un favori Hervé? Oh, je fais confiance à l'entraîneur. Et il n'y a plus de rumeurs maintenant car l'information a été confirmée. Mario Mandzukic a signé au Bayern Munich en provenance de la Juventus. Ah, on ne sait pas vraiment le montant exact de la transaction, mais je peux vous dire que c'est un sacré paquet de pognon. Hein. Et 30 minutes à jouer hein, dans le temps réglementaire. La voie est libre. Il ne donnera rien du tout ce centre, à part une sortie de but. On va y avoir un petit peu de changement du côté du Galatasaray. Ouais, ça s'agite depuis quelques minutes sur le banc de touche. Mekcher. Benjamin André. Ben Sebaini. Ivan Ordet. Mariano.
Niekourou. Oh, on a failli assister à l'ouverture du score. Ah, le but lui tordait les bras, mais bon, il faudrait être un petit peu plus adroit quand même. Benjamin André, Clément Grenier, Benjamin Bourigeaud. On s'approche du but. Ouais, pour Ben Arfa. Ouais, bien donné ce ballon, mais le danger est écarté. Fernando. Mitroglou. Oh, il est passé. Superbe geste technique. Ouais, c'est magnifique. 20 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Enrico Niekourou. Mitroglou. Ah, c'est bien dégagé devant. Il va pouvoir s'enfoncer. Fernando. Il intercepte. La tête de la fin. Mal donné hein, ce ballon. Fernando. Ouais, la bonne circulation du ballon. Le gardien qui dégage son camp des deux. Et la voilà la frappe. Oh, il y est. Oh, il suffisait d'être patient, mon petit Pierrot. Ah, et puis la patience, c'est pas mon fort, mais c'est celle du buteur. Voilà, le score qui est donc ouvert, 1-0. Bonne récupération au milieu de terrain. Le joueur a terminé son échauffement et il est prêt à faire son entrée. Prochain arrêt de jeu, je pense. Fernando. Ouais, bonne défense d'Irene qui a récupéré ce ballon. L'ambiance qui monte, le public pousse pour que cette équipe égalise. Mariano. Gomouche. Ivan Ordet. Badoundiaï, on a l'impression que le match va se terminer vraiment comme ça, sur ces séquences de possession, sans aucun danger. On aimerait une dernière action quand même. Ballon à nouveau au profit de Galatasaray. Martin Lines. Voilà, je ne sais pas ce qu'il avait en tête. Il a donné ce ballon directement à l'adversaire. En profondeur, oui, bien vu. Ouais, il est bien placé pour centrer. Clément Grenier. La frappe. Ouais, il repousse, ça joue. Un bon pressing du défenseur qui le force à sortir du terrain finalement. L'entraîneur qui ne prend plus de risques, hein, qui veut conserver ce résultat favorable. Ça part bien, action dangereuse. La balle d'égalisation peut-être. Sur ce corner, ce sera un corner. Il a cherché le point de pénalty sur ce corner. Le danger qui s'éloigne, c'était pourtant bien donné. Allez, dégage, très loin. Et ce ballon est intercepté. Et 2 minutes seulement ont été ajoutées par l'arbitre. Belanda. Mitroglou. Gomouche. Mitroglou. L'attaque est propre, le ballon toujours en jeu. Grosse séquence de possession de balle hein, sur cette phase de jeu. Et ils échouent. Angel fall.
for me. Ooh, I've never been someone to make my feelings known. But I don't know what's coming over me.
chemistry, give me what's on your mind. Telling me everything, but it ain't happening. Wish I could read your vibe. Making movements. Now I don't think you're looking for it. Yeah, yeah, yeah. Ready to be waiting here, can we get out of here? Wanna get you alone. So if you're into me, I can see energy. Why are you on your phone? Cause the truth is, I'm not really looking for it. Yeah, yeah, yeah. I see nothing wrong with you and me getting along. I see nothing wrong with you and me getting along.
Bonjour à tous, merci de nous accueillir pour ce premier match de Ligue 1 Conforama de la saison. C'est comme ça qu'il faut dire. Je vais avoir le plaisir de commenter ça avec vous, Pierre. Oui, Hervé, une nouvelle saison et on va voir si les joueurs sont bien dans leurs meubles. Et dans ce match, nous retrouvons Lille face au Stade Rennais. La composition du LOSC, regardez là. L'entraîneur a fait le choix de positionner ses joueurs en 4-5-1 aujourd'hui. Avec une défense à 4, un milieu assez dense à 5 et un seul attaquant de pointe. Alors que vous découvrez... Ah, il peut donner l'avantage à son équipe là. Oh, le but, l'ouverture du score. L'ouverture du score déjà. Ah, ça n'aura pas traîné. Voilà une équipe qui a l'air pressée de gagner aujourd'hui. Ce sont les Lillois qui mènent. Ah, excellente récupération sur les côtés, ça va repartir. Bon tacle défensif pour envoyer ce ballon en touche. Sidi Koné. Bonne anticipation sur cette passe. Ça circule le tir. Et ce sera un corner à venir. Et le tireur qui a visé à la zone du point de pénalty. Becker. Avec un tir. C'est contré par le défenseur, dommage. Sidi Koné. Ah, c'est bien dégagé devant, il va pouvoir s'enfoncer. Il tacle. Ça peut être dangereux là, s'il lance la contre-attaque. Ils ont trop tardé, l'adversaire a eu le temps de se replacer. Ouais, bonne défense des Rennais qui ont récupéré ce ballon. Le LOSC va récupérer la touche. Ah non, ballon perdu. En retrait pour le gardien sous les sifflets. Benjamin André. Ben Sebaini. Ah ouais, ça c'est bien sur l'aile. C'est touché hein, par le défenseur. Ce sera un corner. Un corner bien tiré. Da Silva. L'intention était bonne sur ce corner. Ouais, mais le ballon n'est pas cadré. Sidi Koné. Le ballon rendu carrément à l'adversaire. À l'attention à l'éventuelle contre-attaque. Voilà, ça c'est n'importe quoi cette passe. Complètement à l'adversaire direct. Allez, il a de la place dans le couloir. Qui revient dans l'axe. La frappe. Corner pour les Lillois. Il n'a pas cherché vraiment le point de pénalty hein, sur ce corner. Ouais, bon pressing du défenseur. Vers ses partenaires. Ah, c'est pour personne. Ça part bien, action dangereuse. La frappe.
Ah, la frappe qui passe juste à côté, mais c'était une bonne tentative. Traoré. Traoré. Clément Grenier. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire ? Clément Grenier à Marie Traoré. Major André. Et ils vont le faire sortir la défense, hein, c'est clair. Il va s'appliquer sur ce centre. Ouais, bien joué la remise. Ouais, belle séquence de passe, attention, hein, ça peut énerver l'adversaire. Ouais, la frappe, bien repoussée par la défense. Un corner, allez, pour creuser l'écart dans cette rencontre, pourquoi pas. Ouais, il a réfléchi, il a hésité l'arbitre, et bon, bah, au final, il s'est décidé. Ouais, carton jaune. Ouais, bien frappé ce corner au niveau du point de pénalty. Traoré. Touche, touche pour Rennes. Il faut qu'il centre là. Et non, ça n'ira pas plus loin. C'est bien défendu. Ouais, toujours aussi précis dans ses passes. Le ballon qui change de camp. Gaëtan Charbonnier. Oh, le but! Le but de l'égalisation pour cette équipe. Elle a su réagir, c'était pas évident de courir après le score comme ça, mais elle a su revenir à la hauteur de l'adversaire. Allez, tout est à refaire, un but partout. On rentre dans le temps additionnel qui sera de 2 minutes seulement. Allez, un partout. Le premier ballon de cette seconde période sera René. Essayons de prendre l'avantage. Ouais, pas de souci. Le gardien qui capte bien ce ballon. Sidi Koné. Allez, il n'y a personne, il peut prendre l'espace. Le centre, il a vu ses coéquipiers. Le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse. Benjamin André. Il a signé une bonne première période, hein, je trouve. Bon, c'est mon avis. Pierre, vous en avez pensé quoi, vous, de sa performance? Une très bonne première période pour lui, surtout avec cette égalisation intervenue juste avant le repos. Mexer. Le remplaçant qui est prêt à faire son entrée sur le terrain devant son public. Oui, ça devrait se faire au prochain arrêt de jeu. Enfin, si le quatrième arbitre ne se plante pas avec ses panneaux. Stade René qui va effectuer la remise en jeu avec sa touche. Les dernières consignes de l'entraîneur du LOSC qui va donc effectuer ce changement. L'entraîneur a bien réfléchi avant de faire signe au quatrième arbitre, mais là c'est décidé. Ouais, il est bien placé pour centrer. Benjamin André. Le tir. Et ça fait but. C'est dévié par le poteau, mais ça termine dedans. Ah, le buteur, il peut remercier le poteau. Ah, son ballon vient heurter le montant, mais enfin, ça relève rien à la qualité de sa frappe. Hein. Les Lillois qui sont derrière, hein, tableau d'affichage. Benjamin Bourigeaud.
Benjamin André, Gaëtan Charbonnier. Il va pouvoir adresser un centre. Et la voilà la frappe. La parade du gardien qui repousse le ballon en jeu. Et il capte ce ballon. Pierre, votre avis sur le prochain match du Stade Rennais? Les joueurs vont retrouver Angesco pour cette prochaine rencontre. Et ce sera pour le compte de la Ligue 1, Conforama. On peut s'attendre à un match assez ouvert entre deux équipes qui se valent. Attention, ça peut être dangereux. Ils construisent, ils font tourner. Ah, il va centrer. Ah, bonne intervention, ballon en touche. L'entraîneur qui n'a pas le choix maintenant pour égaliser, il faut qu'il fasse entrer du 109. Si tu connais, c'est dans le paquet. Ah non, ce centre qui n'aboutit pas. Benzé Baini. Les Lillois auront cette touche. Il y a une transaction du Paris Saint-Germain qui a fait grand bruit et qui est désormais officielle. Quand je vois la somme qui a été déboursée dans cette transaction, je me dis que le foot est quand même en train de devenir un peu ma boule. Ouais, c'est bien centré parce qu'il y a du monde. Un ballon, il prend sa chance. Il obtient le corner. Il a cherché le point de pénalty. Paris Balouli. Le corner, le ballon qui arrive au point de pénalty. Ouais, bien donné ce ballon, mais le danger est écarté. Thiago Maia. Allez, à deux, il y a du soutien derrière lui. Le long de la ligne de touche. Del Castillo. Ouais, ça peut bien partir en contre, attention. Ouais, c'est trop tard, tout le monde est revenu à son poste. Del Castillo. Benzé Baini. Oui, le centre peut-être. Benafa. Traoré. Del Castillo. Benzé Baini. Atem Benafa. Bonne anticipation sur cette interception. Qui prend encore à l'égalisation et qui pousse. Si tu connais. Oui. Ouais, la passe en retrait pour le gardien. Benjamin Bourigeaud. Sur le côté pour Ben Arfa. Ah, ça ne passe pas. Thiago Maia. Ils sont pris à la gorge et ils s'en sortent finalement juste en concédant la touche. Del Castillo. Benjamin André. Ah, la passe en profondeur, attention. Encore un bon ballon. 7 minutes à jouer dans ce match. Allez, ça pousse. C'est vrai qu'il ne reste que quelques minutes hein, pour recoller au score. Ah, ouais. Il n'y a plus de temps à perdre, hein. C'est clairement le message que le public essaie d'envoyer à son équipe. Si tu connais. Thiago Maia. Allez, pour relancer son équipe maintenant. Ouais, la passe n'arrivera pas à destination. Les Lillois qui récupèrent. La dernière minute avant le temps additionnel. L'arbitre a décompté 2 minutes hein, de temps additionnel.
Allez, il faut s'appliquer. Peut-être l'un des derniers. La frappe. Allez, pourquoi pas l'égalisation. Oh oui, le but de l'égalisation. Comme quoi, il fallait pas partir avant la fin du match. Personne ne veut perdre, on dirait. Ah, décidément, dans ce match, personne. Et voilà un match qui va...